les grandes gueules. Bienvenue chez, sur Radio Espace dans les Juges. Allez-y, mon cher Jacques Liwa. Mon colonel, nous avons entendu hier le procureur général à votre sujet. Il vous dit de rester dans les limites de vos responsabilités. Comment vous avez accueilli cela? Bon, merci pour cet appel, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il appelle les limites de mes responsabilités. C'est tellement énorme que ce serait très surpris qu'ils comprennent ce que c'est qu'un haut commandant. Il parle de quelle limite? Bien, il parle de quelle limite? Alors, il parle de quelle limite? On vous accuse de séquestrer parfois des cadres que vous interpellez. Très souvent, vous ne respectez pas la procédure en la matière. Vous appelez les gens par téléphone et quand ils arrivent à dans vos locaux, automatiquement, ils sont séquestrés. On vous reproche de ne pas vous soumettre à certains principes édictés par la loi. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je pense pas que son problème se trouverait à ce niveau, quoi. C'est que nous, on est dans une dynamique aujourd'hui de s'efforcer à remettre tout ce qui n'avait pas, à remettre sur les rails tout ce qui n'était pas avant. Et la crise, c'est à propos de la relation entre les officiers de police judiciaire, le parquet général et les parquets d'instance. Chacun de vous a la possibilité de fouiller dans le code. C'est quoi un procureur général par rapport aux OPJ? C'est quoi un procureur d'instance par rapport à un OPJ? La loi est claire là-dessus. Le directeur d'enquête, le gérant physique des OPJ sur le terrain, c'est le procureur d'instance. Le procureur général, il surveille l'activité de tous les enquêteurs, il surveille l'exercice de la police judiciaire dans sa zone de ressort. Mais imaginez un peu que chaque matin, il faut se réveiller en tant que procureur général pour dire tous les OPJ, demain ou ce soir, je vais vous voir. C'est pas moins de 300 à 400 personnes. Le problème, c'est à ce niveau. Et je suis bloqué là-dessus. Que les procureurs d'instance prennent leurs responsabilités, qu'ils gèrent directement les OPJ. C'est à eux qui dirigent. C'est eux qui dirigent les activités des officiers de police judiciaire. Bien. Et lui, il a pour mission d'animer et de coordonner l'ensemble des activités de ces parquetiers. Bien. Mais ils sont tous écrasés à nos jours. Ouais. Mon colonel Bala Samoura en direct ce matin chez les juges. Allez-y, Diba. Alors justement, mon colonel, les propos du procureur, et je les reprends, il dit « Le haut commandant n'est pas un officier de police judiciaire. Il ne doit interpeller ni convoquer. Ce n'est pas son travail. Il doit laisser la main libre aux citoyens et aux officiers de police judiciaire qui sont habilités par le parquet. » Alors, quelle réaction? Est-ce que le haut commandement peut convoquer un citoyen? Si oui, c'est sur la base de quelle loi? Toute la crise, je répète une fois de plus, c'est le fait que je suis en train d'insister que ce soit les parquetiers qui gèrent les OPJ. Que ce n'est pas son travail. Tout le problème, c'est à ce niveau. Ouais. Donc, c'est un problème de personne, en fait. Non. Hein? C'est un problème de personne à vous écouter ce matin. Mais c'est pas compliqué, Lamine. C'est pas compliqué à comprendre. Demandez à tous les OPJ. Demandez à tous les procureurs d'instance. Je pense qu'il comprendra et qui reviendra sur les meilleurs sentiments pour que les choses fonctionnent comme ça doit fonctionner, et qu'on tourne à cette page, mais moi je suis bloqué là-dessus. Les officiers de police judiciaire, ils ont pour directeur d'enquête, tous les OPJ de Matoto, de Matam, relèvent directement du procureur de Mafango. Tous les OPJ de Dixine, de Matam, relèvent du procureur de Dixine. Ceux de Kaloum également relèvent du procureur de Kaloum. Et lui doit coordonner l'ensemble de ses activités à travers ces parquetiers-là. Demandez à n'importe qui dans le couloir là-bas. Ils vont vous dire comment ça doit fonctionner. Bien. Colonel Bala Samoura en direct chez les juges. Allez-y, madame. J'ai l'impression que vous et Charles White, vous dites la même chose. Mais seulement, il rappelle que vous, est-ce que vous, c'est dans vos prérogatives, parce qu'on suppose que les OPJ, vous l'avez dit, relèvent du parquet et de certains procureurs que vous venez de citer. Le problème, c'est le fait que vous interfériez dans le travail qui est fait par les OPJ. Est-ce que c'est pas là le problème? Même si vous supposez que derrière, il y a un débat de personnes, mais nous voulons éclairer ici la lanterne des auditeurs. Qu'est-ce qui doit être normalement? Vous, est-ce que vous avez le droit d'interférer dans le travail des officiers de police judiciaire? Madame, ce qu'il dit là, pour interférer,
ce n'est autre chose qu'hier, il a convoqué tous les OPJ de Conakry, qui sont environ entre 200 à 300, sans aucun avis de réunion. Ça ne peut pas marcher. Les gendarmes, nous travaillons avec le ministère de la Sécurité, nous travaillons avec le ministère de la Défense, nous travaillons avec le ministère de l'Administration dans le cadre du maintien d'ordre, nous travaillons avec le ministère de la Justice dans le cadre de l'exercice de la police judiciaire. Si vous voulez, il n'y a pas moins de 4 départements qui travaillent avec nous. C'est les mêmes gendarmes. Vous ne répondez pas à ma question, mon colonel. Est-ce que vous avez le droit d'interférer dans le travail qui est fait par les officiers de police judiciaire? Je viens, madame, j'en viens. Tout ce dont je viens de citer comme activité, c'est les mêmes gendarmes. Imagine qu'un seul se réveille le matin, il convoque ces gendarmes-là. J'ai droit ou pas de m'interférer ou pas? Et au-delà de ça, en ce qui concerne l'exercice de la police judiciaire, demandez à tous les procureurs. Quelle est l'autorité administrative ou judiciaire qui est le premier responsable du contrôle de la qualité des OPJ? C'est moi, c'est le commandant d'unité. Contrôle de qualité, la qualité du gendarme, du travail du gendarme, incombe en premier lieu au colonel Bala Samora. Et quelle que soit la position du gendarme, qu'il soit sur le territoire national ou externe, je contrôle la qualité. Je me rassure que toutes les formations données aux gendarmes, les gens sont dans le règle de l'art. Ils sont en train de se comporter. Est-ce qu'ils sont en train de respecter la loi? Y compris dans les procédures judiciaires. On peut comprendre que vous soyez le haut commandant, par exemple, quand il y a l'autorité administrative, quand il s'agit de faire des déploiements, ainsi de suite. Mais dans une procédure judiciaire... Dans une procédure, je dois me rassurer, tant qu'il y a la possibilité sur tout le territoire national, est-ce que les délais de garde à vue sont respectés? Est-ce que le gendarme est en train de faire ça, comme prévu, comme enseigné dans nos écoles? Ça, c'est mon travail à moi, ça. C'est pas un procureur tous les jours devant les gendarmes. C'est possible qu'ils viennent tous les jours, chaque fois qu'ils peuvent venir faire le contrôle. Mais le premier contrôleur de la qualité de travail des gendarmes, c'est dans une brigade d'abord, c'est le commandant de brigade. Au-dessus de lui, c'est le commandant de compagnie, commandant de groupement, commandant de région. C'est à nous de corriger, c'est à nous d'avoir un droit de regard sur ce qu'ils font les gendarmes. Parce qu'on a plus de possibilités de réprimer, de corriger, d'accompagner, d'éduquer nos gendarmes que d'autres autorités. C'est là le problème. Bien. Colonel Bala Samora, direct. Allez-y, madame. Alors, moi, je voudrais une autre précision, par exemple. À supposer que nous soyons dans un dossier, les OPJ mènent les enquêtes. Généralement, après les enquêtes, ils réfèrent directement le dossier au niveau du procureur. Par exemple, nous avons des cas où on dit que le dossier a été déféré au niveau du tribunal de première instance de Dixine. Là, c'est le procureur. Administrativement, est-ce que c'est pas différent, mon colonel, le travail administratif qui est fait et les procédures d'enquête judiciaire qui sont menées par ces OPJ-là? Parce qu'on dit que vous êtes... C'est quasiment pareil. On dit que vous êtes l'autorité administrative et non l'autorité judiciaire. Donc c'est de faire cette part des choses. Et en même temps, on dit que vous n'êtes pas le directeur des activités des OPJ, donc pas le procureur de la République, que ce que vous faites, c'est comme si vous étiez un parquet. C'est ce qu'on vous reproche. Non. Imaginez ce que je dis. Efforcez-vous juste à comprendre ce que je suis en train de dire. Pour que monsieur le procureur ait un dossier propre, fait dans les règles de l'art, sachant bien que la forme tient sur le fond. Cette forme-là, c'est au commandant d'unité de faire en sorte que l'OPJ reste dans le cadre de la procédure. Ça, c'est à nous, ça. Ça relève à nous, que la loi le dise ou pas, mais c'est ça le rôle de la gendarmerie, les commandants de la gendarmerie. Si on ne le fait pas, mais ça va aller dans tous les sens. Et quand ça va dans tous les sens, c'est notre image, c'est nos efforts qui sont foulés au sol. Tous les parquetiers, prenez votre temps, allez-y tendre vos micros au procureur. Qu'est-ce que c'est que je suis en train de dire par rapport à ce qui doit être fait? Ils vont vous le dire. Bien. Le premier contrôleur, le contrôleur interne de l'activité des officiers de police, c'est bien sûr le commandant de sécurité. Voilà. Allez-y, madame. Qu'en est-il de la convocation de citoyens au haut commandement de la gendarmerie nationale? On voudrait être éclairé là-dessus. Bon, vous viendrez un jour me visiter pour voir les difficultés dont on est confronté aujourd'hui en termes d'infrastructure. Tout est en rénovation ici. Donc, ça veut dire que tout simplement. Moi, je sais qu'ils disent là, c'est trop banal. J'ai vraiment pas envie de me retrouver tous les jours en train de me justifier. Moi, mon temps ne me permet pas de m'asseoir devant un citoyen. Comment tu t'appelles? C'est quoi qu'on t'a fait? C'est quoi ton... Faire une audition? Mais ça va être la folie. C'est pas possible. Mais une personnalité qui vient, qui doit se faire entendre par les officiers de police judiciaire, c'est mon rôle, madame, de mettre cette personnalité en confiance par rapport au travail qu'il doit faire. Moi, j'ai fait du monitoring. Je suis obligé aujourd'hui d'aller... Je m'en fous, d'une part, vous le verrez, les gens me voient en poussière en bas.
Abala avec son galon, son titre, il est à gauche. Alors nous, mon galon sans mon activité, sans un bon travail, sans un travail qui soit fait dans les règles de l'art, j'ai pas de, mon galon, moi je dis, il n'a pas de valeur. C'est pour cela que je serai partout où je peux porter la qualité de travail à mes agents, où je peux les conseiller, où je peux les guider, où je peux même faire de l'exemple pour qu'ils le sachent. Je prendrai, pour quelle folie, je prendrai un bic, m'asseoir à un citoyen, de l'auditionner. J'ai pas ce temps, madame. Mais si un gendarme doit passer l'audition d'une haute personnalité, qui est déjà dans un autre monde, qui pense qu'on est en train de faire ceci, qu'on va le faire ceci, parce qu'ils ont affaire à des militaires, et je me fais ce petit devoir de recevoir le citoyen, ou cette personnalité dans mon bureau, lui dire clairement de quoi s'agit-il, lui mettre en confiance que tout se passera bien. Demandez au frère Khalil, qui est passé ici, s'il a été une fois insulté, s'il a été privé de ceci, s'il a manqué, il a fait l'objet d'un manquement. Appelez-le, mettez-moi en contact avec lui. Voilà. Colonel Bala Samoura, en direct ce matin, il brise le silence évidemment chez les juges. Justement, alors sur le cas Lilou, puisqu'on allait vous poser la question, est-ce que ça relève de vous d'appeler un homme comme Lilou, déjà à des heures indues, vous l'appelez, vous le convoquez, est-ce que ça relève de votre compétence exactement? Parce qu'il a passé sa garde à vue exactement. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous appelez relève de vous, vous parlez à un gendarme, relève de lui. Ce que je suis en train de vous dire, c'est aussi clair. Lilou n'est pas un n'importe qui. Moi j'appelle, moi je suis connu avec tout le monde, je suis quasiment en bonne relation avec tout le monde. Je fais quoi? Mon frère, j'étais intéressé de tel dossier. Est-ce que ça vous convient de venir échanger avec les gendarmes? Oui. À quel jour, même maintenant où vous voulez, je viens, j'ai pas de problème. Les gars viennent, on lui présente la situation, il va se voir avec les enquêteurs, il donne sa version des faits. Parce que la règle, la loi voudrait que quand tu convoques quelqu'un, il faudra mettre le motif de la convocation dedans. 80% des cas de Guinéens se voient choqués quand tu mets dedans, on vous appelle pour complicité de viol, on vous appelle pour complicité de détournement, ou pour complicité d'abus de confiance, ou pour abus de confiance. C'est là, le jour où j'adresserai une convocation à vous là-bas, pour vous dire que vous êtes complice de viol, mais vous allez voir ce qui va se passer. Colonel Bala Samoura en direct, allez-y, Ahmed Kourouma. Mon colonel, personne, enfin ici dans sur le plateau, je pense pas qu'on vous on vous enlève le droit de convoquer un citoyen. Mais la question est, est-ce que les droits, justement puisque vous parlez de Lilou, est-ce que les droits de Lilou dans l'enceinte Ibrahima Khalil Kaba dans l'enceinte de la gendarmerie que vous commandez ont été respectés? Ouais. À savoir, attendez mon colonel, donnez-moi deux secondes, je finis ma question. Laissez-moi finir, je sais que vous avez compris, mais laissez-moi finir ma question s'il vous plaît. Est-ce que les droits du citoyen Khalil Kamara ont été respectés? Khalil Kaba, pardon, ont été respectés? A-t-il eu accès à son avocat? Sa femme a-t-il pu, sa famille a-t-il pu le visiter? C'est ça la question qu'on vous pose. Quel que soit l'officier de police judiciaire aujourd'hui, je ne parle pas d'autres officiers de police judiciaire, mais au niveau de la gendarmerie, c'est le B.A.B.A. Les derniers sortants de l'école, des officiers de police judiciaire, ils le savent, un citoyen est devant eux. S'il est question de déclencher une enquête contre eux, c'est la première chose qu'on décline. Avec bien. Besoin de votre avocat. Donc vous êtes en train, mon colonel, vous êtes en train de nous dire ce matin que Monsieur le ministre Khalil a eu droit à la visite de son avocat et qu'il a pu voir sa famille pendant la garde à vue. Avoir la visite physiquement et ne pas avoir la volonté de la voir, il ne faut pas confondre les deux, Ahmed. Qu'est-ce que vous appelez avoir la volonté de la voir ou pas? Moi je comprends pas, je suis un peu perdu là. Parce que son avocat est... Alors, non, c'est pas compliqué. Nous, on se fait l'obligation de décliner, parce que la plupart des citoyens ne savent pas tout cela. On se fait l'obligation de décliner dès qu'on a en face un citoyen. Monsieur, est-ce que vous avez besoin de ça parce que vous avez droit? Est-ce que vous avez besoin de ça parce que vous avez droit? Est-ce que... Ça, c'est le bayabar, c'est la rentrée en matière, ça. Le colonel... Ouais.
Colonel Bala Samoura en direct. Allez-y, Ahmed. Excusez-moi, mon colonel. Je suis désolé. Je comprends que vous me dites que c'est le béaba. Je comprends tout ça. Effectivement, tout gendarme sorti d'une école, c'est que la question précise, mon colonel, à laquelle vous ne répondez pas, c'est est-ce, parce que nous, on a eu l'avocat du ministre à l'antenne. Je suis désolé, on l'a eu. Il nous a précisé qu'il n'avait pas accès à son client. Et nous avons été choqués. Donc, la question que je vous pose ce matin, elle est claire. Est-ce que Khalil, pendant sa garde à vue, a eu accès à son avocat? C'est simple, mon colonel. Je ne peux pas vous dire clairement le nom de l'avocat de Khalil, mais un avocat m'a appelé quand j'étais en dehors de mon service, qui voulait me parler à propos de Khalil. Moi, j'étais à un rassemblement. Il n'y a pas de problème, rappelez-moi dans 10 minutes. Cet avocat, il ne m'a plus rappelé. Je n'ai pas pris son nom, mais peut-être il m'entend. Il m'a appelé une seule fois, il m'a parlé de Khalil. Il dit, tu dois me parler à propos du ministre Khalil. Il n'y a pas de problème. Je suis à un rassemblement. Appelez-moi dans 5 ou 10 minutes. Depuis lors, on m'a plus appelé. Voilà. C'est aussi ce qu'elle fait. Allez-y. Nous, on est gênés. Ouais. Une fois de plus, Ahmed, on est gênés de se retrouver face à un citoyen en audition sérieuse qui ne soit pas assisté d'un avocat. On est gênés. Non, c'est pas possible. Voilà. D'accord. Mettons la barre à terre. Aujourd'hui, c'est là mon rôle. C'est là mon rôle aujourd'hui, qu'un citoyen qui soit interpellé à la gendarmerie, on va lui notifier dans un premier temps tous ses droits. Voilà. D'accord. Non, j'ai pas besoin de mon d'accord. Parent. Allez-y, Thomas. Alors, colonel, au début, Guiba posait une question qui me semble incarner le nœud, de toute cette discussion. C'est le propos de Charles Wright qui dit que le haut commandant n'est pas un officier de police judiciaire. Or, pour entendre un accusé de quoi que ce soit, c'est souvent l'œuvre, en termes d'investigation judiciaire, d'officier de police judiciaire. Qui répondez-vous? Est-ce que oui ou non, vous êtes un officier de police judiciaire? Je vous laisserai le temps, vous-même, de le lire. Je ne serai pas là de vous dire qui je suis. Une fois de plus, officier de police judiciaire, là où il a des soucis, mon temps ne me permet pas d'auditionner un citoyen. Tout son problème, c'est là-bas. Je ne peux pas le faire, je n'ai pas le temps pour ça. Mais il ne peut pas dire que un officier de gendarmerie, que ce soit Bala Samoura ou pas, un officier de gendarmerie n'est pas un officier de police judiciaire. Monsieur l'obstacle, il le sait, tout le monde le sait, compte tenu de la spécificité du profil des gendarmes engagés en maintien d'ordre. Il ne peut pas faire le maintien d'ordre et après se retrouver encore auditionné les mêmes personnes qu'ils ont interpellées. La loi, elle est claire là-dessus. Alors, j'ai pas bien compris la réponse. C'est vraiment une question de type oui ou non, colonel. Parce que j'ai souvent entendu, même avec le général Balaye, qui disait, je suis le premier gendarme de la République, je suis au service de la justice. Est-ce que vous êtes un officier de police judiciaire, oui ou non? À 100%. Voilà, aussi simple que ça. Allez-y, Antoine Kourouma. Oui. Le premier même. Le premier officier de police judiciaire. Officier de police judiciaire, voilà, il l'a dit. Mon colonel, vous semblez ne pas reconnaître les accusations portées à votre encontre. Pourtant, il y a beaucoup d'éléments qui ont été cités bien avant le cas Lilou, il y a le cas Sadou Nimaga, il y a le cas de Ahmed Kanté, dont l'épouse, dans la presse, avait fustigé le fait que son mari n'ait pas eu droit à une convocation, qu'il a été séquestré pendant des jours dans vos locaux. Dites-nous, est-ce que tout ce que les gens disent par rapport aux séquestrations et aux convocations qui ne sont pas dans les règles de l'art, est-ce que tout ça c'est des inventions, mon colonel? Voilà, je ne serai vraiment pas là pour traiter tous ces cas-là one by one, mais rassurez-vous, et nos portes sont ouvertes. Dès que vous apprenez qu'il y a un manquement à la procédure... Non, la question est précise, répondez à la question. Les grandes gueules. Le cas Ahmed Kanté, le cas Nimaga, ça a été des cas illustratifs de ce que nous disons. Ils disent avoir été séquestrés chez vous. Ahmed Kanté n'a jamais fait l'objet d'une mesure de garde à vue. Il n'a jamais dormi à une gendarmerie. S'il a dormi dans une gendarmerie, qu'il envoie quelqu'un qui la preuve. Demandez-le. Voilà. D'accord. La dernière question, mon colonel, c'est lié au casse des bâtiments actuellement. Depuis vendredi, on a vu des casse des bâtiments à la Kamayenne, à Dixine.
Dites-nous sur la base de quoi ces mesures sont exécutées. Parce que on vous accuse. Merci, je vous souhaite bonne journée. Non. Mon colonel, vous n'allez pas lâcher ça comme ça, c'est pas possible. Je sais que c'est une patate chaude. Mais bon, non, c'est une patate très chaude. Il n'y a pas de patate chaude chez moi, David. Non, mais je comprends très bien, parce que si vous ne voulez pas répondre à cette question, il n'y a pas de problème. Voilà. On aura l'occasion peut-être de vous inviter ici. Dernière question, Madame Hiro, dernière question. Moi, j'ai relevé quelque chose dans vos propos, mon colonel. Le simple fait qu'on soit obligé de passer par vous, parce que vous avez dit, c'est pas vous qui avez notamment auditionné Lilou, l'ancien ministre des Affaires étrangères, mais le simple fait qu'on soit contraint de passer par vous pour que l'avocat ait accès à son client, est-ce que ce n'est pas un problème? Parce que ça veut dire que si vous êtes occupé, l'avocat ne peut pas avoir accès à son client. Normalement, les autres qui sont là devraient être censés comprendre que le client a forcément, nécessairement, besoin de son avocat pendant l'audition. Oui ou non? Et pour enchérir sur la même question, puisque vous partez... Imaginez que le terme contrainte soit une réalité, pour dire que les gens sont contraints à passer par moi. Sur tout le territoire national, c'est-à-dire aucun procureur, aucun avocat n'a accès à un citoyen qui peut passer par moi. C'est pas ça, madame. Vous avez pris au mot tout à l'heure. Vous avez dit que l'avocat vous a joint, que vous ne savez pas s'il a essayé de vous joindre plus tard. Pourtant, lui, il a dit qu'il a voulu avoir accès à son client. Il n'a pas pu. C'est la question que je pose. Est-ce que ce n'est pas une contrainte pour ce cas spécifique? Il était obligé de vous appeler, vous, pour avoir accès à son client. Est-ce normal en matière de droit? Tout gradé, tout commandant d'unité, tout chef gendarme a possibilité de s'inviter dans ces genres de blocage dans une unité de gendarmerie. Moi, je ne fais pas de frontières pour ça. Ils peuvent jouer n'importe qui, ils peuvent même exiger aux gendarmes de laisser voir son client. Parce que le gendarme, il est conscient que c'est le droit. D'accord, mon colonel, il y a un juriste qui dit que... il faut une habilitation de la part du procureur général qui est renouvelée chaque année. Cette habilitation est renouvelée chaque année. Le procureur qui doit l'habiliter dit clairement qu'il n'est pas OPJ. Je sais qu'ils sont assis derrière, ils sont en train de vous écrire, mais être officier de police judiciaire et pouvoir l'exercer dans une période donnée, c'est pas pareil. Voilà. Mon colonel, dernière question s'il vous plaît. Moi, que répondez-vous à ceux qui vous accusent de vous substituer à la justice? Bon, imaginez un peu que tous les jours, moi, je sois là en train de répondre one by one à ce moment. Suivez-moi, prenez vos micros, vous me suivez. Vous allez voir ce que Bala Samoura fait. Bien, c'est ce qu'on va faire jeudi d'ailleurs, hein, si vous permettez, mon général. On va vous partout suivre. Partout vous entendez que je suis en train de travailler. Envoyer des émissaires qui me suivent, sans même me faire savoir qu'ils sont là. Mon colonel, alors je prends acte de l'invitation et je vous promets de venir la prochaine fois avec une caméra pour vous suivre dans votre travail. Caméra cachée, je souhaite. Merci beaucoup en tout cas, mon colonel, d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'était donc le colonel Bala Samoura en direct chez les GG. L'émission continue.